Et yo tout le monde, c'est Tiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de The Guild 2, dans lequel nous incarnons la famille du duc Tiob Unio, sauveur à la ville de Bergen. Je voulais voir pourquoi je pouvais pas me. Postuler un siège à Hambourg. Que j'ai dû mettre la ville de départ à Bergen. Je crois que c'était ça la réflexion que je m'étais fait. Ah, dommage. D'ailleurs, il est où lui? Bon, il y a. C'est où? Lequel qui est? Ok. Qui est lui? Patricien Lucas Tepfleur. Maréchal en la ville de Hambourg. Puis-je aider? Bouge pas, on va se battre toi et moi. S'il n'y a que ça. J'utilise une fleur de la discorde. Je ne suis pas d'accord. Tu vas tâter de mâche. Voilà. Voilà ce que je fais aux gens qui me donnent des fleurs de la discorde. Tiens d'ailleurs. Ils sont où les gardes? Ils sont où les gardes ici? Soigner les autres, c'est bon. L'offre spéciale d'un comptoir est escorté quand même au cas où. Alors ça donne quoi? Tiens la haute noblesse. Non mais voilà, après je te dis ça, mais c'est juste pour que tu apprennes à ne plus. Ne plus m'embêter. Hein? Voyons voir. Agenda, 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 agenda. Non, c'était quoi déjà? C'est où? Je veux voir les. Ah. Où est-ce qu'ils se cachent tout cela? Ouais, ils ont un quartier à eux là. Je sais pas où c'est, ça c'est. Danzig. Ils ont un peu un quartier à eux à Danzig. On va aller récupérer ce quartier. Ils ont un fumoir et tout. Oh. Attends, c'est à moi ça? Ah oui. Ah pas parfait. On ira récupérer ce qu'il faut. Tiens, hop. On va recruter. Oh putain, ah non, j'ai cru que j'avais pourvu. Que j'avais pourvu. J'ai cru que j'avais pu recruter un maître, mais non, non, pas du tout. Alors. Hop. On va le dévaliser. Il doit avoir un peu d'argent, lui, non? Un maréchal. Il avait l'air bien pauvre. Allez hop. Ciao, ciao. On en finit, le pauvre il est en train de souffrir sur le sol, on va pas le, laisser souffrir comme ça. Hein. On n'est pas des bêtes non plus. Hein. Comment ça, qui y a d'ici? Je t'ai entendu. Peut-être. Oh. Une question de point de vue. Voyons voir. Tiens. Elle est quand même belle notre. Il est quand même beau notre palais. Hein. Il est bien plus grand que ce qu'on avait pu avoir précédemment. C'est à moi ça? Je sais pas. C'est pas à moi ça. Oh, je le récupère un jour. Hop là.
Toi, va faire du prosélytisme. Bon, voilà. Allez, on va accélérer. Terrain n'est pas pourri. On va emmener du monde à Danzig. On va emmener. Non, c'est L'offre là. spéciale d'un comptoir est terminée. On va emmener au fumoir dans un premier temps. Et le fumoir, on va le prendre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ramener. J'écoute, quel est le problème? Pas de problème. Tout le monde sauf eux. Ouais, coupez-lui la tête. Je veux. Donc, quel est Parce le que je veux quand problème? même Pas de avoir problème. quelques personnes qui protègent. Quoi de neuf? Où doit. Bon, d'accord. Je veux. J'écoute, j'écoute. Pas de Qui problème. protège mes J'écoute. personnages. Très bien. On va les faire venir tranquillement. Ça y est, on a déjà un petit groupe qui est arrivé. Oh la vache! Attends, Bien comment ça entendu. y est? Oui. Ah ouais, fais-toi soigner. T'as pris tarif, Un toi. comptoir achète des matières premières. Ah, dis-moi qu'il y a une hospice dans le coin. Oui. Même si c'est pas la mienne, c'est pas bien grave. Je peux aller voir quand c'est pressé dans une autre hospice que la mienne. Je t'en voudrais pas. Attends, mais il Très s'est pas bien. fait soigner? On lui a administré un bandage et ça a pas terminé. J'espère que j'ai pas payé. Administrer le traitement. Qu'est-ce que c'est que cet hospice de pacotille? Façon de m'être encore fait avoir. T'as pas moyen de récupérer. Va faire ton sabotage dans ce cas. Alors juste le mec recule un peu, ça risque de. Non, 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 on n'éteint pas le feu, les mecs, on n'éteint pas le feu. Au D'accord. contraire, on le ravive. Oui. Voilà. Il prend pas tant de dégâts que ça. Hein. Comment ça, y a plus personne qui veut travailler là? C'est quoi ce bazar? Quel est le problème? Eh, vous êtes pas payé à rien foutre, hein. Faut pas déconner les mecs. Merde, ils sont tous fait cramer. Allez. On va chercher les bâtiments comme on peut. Hop, tiens, minuit est passé. Pour acheter un nouveau titre. Un nouveau titre de Titre de noblesse. prince. Et maintenant partez. Je dois me remettre au travail. Vous serez avertis dans les plus brefs délais. Ah, il y en a qui m'attaquent. Lui, il a pas tout à fait compris sa bêtise. Il y en a par terre. Ah ouais, non, d'accord, il y en a par terre, mais. Je veux piller. Qui nourrissent les Quel est le sols, problème? dommage pour eux. Allez hop. Bon, d'accord. Quoi de neuf? Pardon, vous vous laissez faire par de la garde? Depuis quand? Très bien. Mais bien entendu. Allez les gars, on se bouge, hein. On se laisse pas faire. Non mais. Très bien. Oh. Je Ah non, veux t'es pas piller.
forcément, tu fais pas forcément partie de sa dynastie. T'es juste un pecno paumé dans le coin. Allez, les mecs, là, il serait temps de bouger. Mais bien entendu. Félicitations. Le conseil, dans sa grande sagesse, a décidé de vous octroyer. Je peux maintenant me faire appeler prince. 200 commères. Il y a encore un stade au-dessus ou pas? Revient sur sa décision. D'être convoité. Ah. Mais c'est dingue ça, mais c'est moi. Où dois-je attaquer? D'accord. Comment ça, allié? Pourquoi j'ai vu écrit allié? Oui. Comment ça me saoulait, hein? Bon. Ils ont une maison, ils ont forcément une maison dans le coin. C'est pas à moi ça, si c'est à moi. On va aller chercher dans leur maison, voilà, là-bas. Plus rapide. Quel est le plan? Des tubercules. Hop. Bon. Alors on va faire sortir leur péon. Ils devraient faire le plein au niveau de ce puits. Envoyez les baillis là, c'est pas un problème. Voilà. Et on attaque. S'ils veulent bien. Mais pas Patricien, Patricien. Ah, Patricienne, là-bas. Mais non, c'est un gamin. Il y avait un adulte, je suis à peu près sûr d'en avoir vu un. Ils ont des gosses quand même. Oh les gars, bon ça s'est soldé encore par un échec. Bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais tous les envoyer au casse-pipe, là. Je sais même pas où il est. Là, tous eux, là, ils ont pas voulu m'obéir tout à l'heure. D'accord, pas de problème. On va tous les envoyer au casse-pipe. Très bien. Allez, ils avaient qu'à obéir. Bon, d'accord. Vous devez vous présenter au tribunal. Vous devez vous présenter au tribunal. Mais bien entendu. C'est vrai qu'il y a du monde envoyé au tribunal. Pourquoi ils obéissent plus là? Ils veulent plus obéir, ça c'est chiant. Vous venez de tomber malade. Ils veulent pas m'obéir, ça commence. Vous tombez malade? Qui ça? Qu'est-ce que t'as chopé toi? C'est fracture un os, ça va. J'écoute. Toujours oui. À se plaindre. Quel est le plan? Bon. D'accord. Allez, foutez-moi le face bâtiment. Hop, mourrez surtout. Hop, j'en veux plus un seul de vous. Faites un bon tri. Oh merde. Je vais zapper ça. Bonjour, bonjour, bonjour. Calme-toi avec ton marteau. Tu vas te faire mal. Du calme, du calme. Des marchandises. Jacques, tu t'es cassé un mât. Bien. Pour ce qui me concerne, toutes les parties intéressées sont présentes. Nous allons aujourd'hui entendre le cas des deux parties en présence. Le procès est ouvert et le procureur peut prendre la parole.
Bien. Commençons par décrire les crimes dont il est question dans ce procès. Votre honneur, honorable auditoire, l'accusé a commis, sans l'ombre d'un doute, plusieurs crimes. Voyez donc par vous-même. Accusé, c'est un crime affreux. Vous n'êtes qu'une infâme brute. Quel dommage qu'il ait fallu utiliser vos méthodes pour le découvrir. Je compte bien demander une peine adaptée. Votre description est très convaincante. Je suis consterné. La naissance noble de l'accusé sera prise en compte au moment du verdict. Une chose doit être mise au clair dans cette affaire des plus sérieuses. Les lois de notre... Ouais, c'est vrai que c'est inversé au niveau des calculs. C'est les lois puis la naissance. Parce qu'on avait vu que ça augmentait puis baissait. Ouais, une grosse amende, c'est très bien. Prenez tout ce qu'elle a. Cette peine devrait suffire. La défense peut prendre la parole. Accusé, avez-vous quelque chose à dire? Cette personne pompeuse, censée représenter la partie plaignante, a fait preuve d'un sacré culot et d'une grande impertinence en me mêlant à cette affaire. Oui, moi! Moi, qui suis traînée devant cette honorable cour et accusée de telles choses. C'est ridicule! Je plaide non coupable. Bon, bah toi, je veux dire, tu vas finir très très mal. Hein. En avant! Je suis assez troublé par vos paroles, madame. Allez, en plus, je le trouble. Le travail, c'est toute ma vie. C'est impeccable. Si plaisante. Je vous en remercie. Comment ça, pilori? Non, 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 grosse amende, pas de pilori. Coupable. Évidemment, coupable. Coupable. Évidemment, coupable. Non coupable. Donc j'ai deux personnes à tuer, les Kelson et Luba Molser. Toutefois, la décision n'a pas été unanime. Par conséquent, la peine a été réduite. Je vous condamne à une peine de 6 heures sur le pilori. C'est tout. La sentence prend effet immédiatement. 6 petites heures sur un pilori. Quelle idée. Bon, les Kelson, on va vous exterminer un par un. Vous étiez censé m'aider, vous l'avez pas voulu. Mais je suis innocente. Non, 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 t'es pas innocente, toi. Alors. On va tous se rendre au pilori en famille. Et où le pilori? Je sais plus où il est le pilori. Il est là. Ah, il est pas là. Ah, il est là-bas. C'est bien, elle le fait toute seule en plus, hein. Allez lui jeter des trucs là, allez lui jeter tout ce qui vous passe par la main. Vous avez rien acheté le mec? Allez! Personne qui lui jette rien. Il est moche. On a pas le temps. Oh, alors. Bon. Ouais, c'est vraiment buggé de chez buggé. Allons-y. Ah. On attaque ça. Ça peut faire réveiller les autres peut-être. Allez, allez m'attaquer ça. Je veux pas un survivant parmi vous, bande de... Bande de nulos. C'était bugué. Un peu que c'était bugué.
Ah, ce sont mes troupes. Ça donne. Alors par contre, on va aller reculer un couillard quand même. Sinon vous allez encore vous faire brûler, vous allez pas comprendre pourquoi. C'est ballot qui... Qui c'est qui a bien pu foutre le feu? Voilà, allez attaquer le... Qu'est-ce qu'il fout? Ah, je sais quoi, c'est ces bruits chelous là. Mais ils sont loin. Qu'est-ce qu'ils sont partis foutre là-bas? Mais si, rentrer chez lui. Oh, oh, attendez. Il me reste un ou deux là dans le coin là. Voilà, achevez-le, achevez-la. Oui. Ah, moi. Mais non. Suite les grands mots. Tu viens d'œil cruel. Oh. Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils me font? Hop, interceptez-le. Voilà, un ou autre. Je suis bien de cruel. Ah, il y en a un autre là. Ouais, c'est ça, fait semblant de passer le balai, toi. Il se défend, hein. Très bien. Je veux piller, je veux... Quel est le plan ? Ah zut. Où dois-je attaquer ? Impeccable. Suivant. Ah, bouger. Je peux pas mettre ma souris dessus. Ah bon, lui, il est foutu. Eh ouais, dis donc, il y a de la baillie dans le coin. Bon, lui, il est bugué. Lui aussi, lui, on ne touche pas. Allez, on va les licencier. Je peux même pas les licencier, putain. Lui non plus. Dégage, t'es où toi? Ah ouais, vraiment, hier. Mais il est pas sûr. Depuis tout à l'heure, il est là. Au bout d'un moment, ils vont me réussir, non? Moins un. Vos soignants ne peuvent pas soigner leurs patients. Comment ça, j'ai pas les remèdes nécessaires. Pas créer des remèdes. Plutôt faire je sais pas quoi là. Quel est le problème? Non, je mène la vie. Tu m'as pas aidé. Je vais m'occuper de toi d'ailleurs. Oh ? Boulangère, non. Intéressante.
Et c'est vraiment très buggé. Hein. Où est la marchandise ? L'offre spéciale. Même pas les points de vie du bâtiment baissé en vrai. Quoi ? Maintenant ? Elle est toujours pylori elle ? Oui. Eh bien. Par contre, je crois qu'elle a pris un peu plus que 6 heures de pylori là. Le temps et pourquoi ils ont pas le temps de se faire arrêter, je comprends pas. Manque de preuves, je peux les créer tes preuves, y'a aucun problème. On va y voir. Ouais. Oh, ils bougent pas de leur ville. Je suis là. Rémission de tous les péchés. Ah merde, c'est barré. Où elle est? C'est elle. Quoi? Maintenant? Attends, on va demander à la garde de la choper. Non, c'est pas propre d'une assise. Putain. Je peux pas la cibler parce qu'elle est bloquée dans ma charrette. Quoi. C'est quand même terrible. Hein. Alors, voilà. Avez-vous besoin de moi ? Propre d'une assise. Donc elle est... Non, en fait. Qui me fait la rémission dépêchée, là. M'expliquer. Allez, je vais me déplacer. Oui. Oh mais laissez-moi me déplacer, c'est pas vrai là, il me bloque totalement. Bon, voilà, il m'a saoulé. Je sais pas d'où est-ce qu'il vient pour faire ça, une mission dépêchée, mais s'il vient dans les enfers ou du paradis là, j'ai pas le temps d'attendre. Tu reviendras. Acheter un canon. On aura pas deux, c'est tout. Faudra en acheter de l'honneur, moi je vous le dis les mecs. Hein. Réserve. Par contre j'ai aucune idée de ce que ça fait tout ça. J'aimerais bien voir le... aussi bien la santé physique que morale d'autres personnes. C'est... Avec plaisir. Au sein de la hanse, honneur de la famille. Moi, il me faut quoi? Honneur de famille. Et maintenant? Bah attends. C'est débile. Honneur de famille doit être convoité. 101. Mais quand je regarde. Honneur de famille recherché. 133. Ça n'a pas de sens. Avec plaisir. Honneur impérial. 21. Ah, c'est l'honneur au centre de la danse. Merci, merci. Au travail. 49. Ok, ça me donne de l'honneur impérial, mais pas plus que ça. Voilà, tout stocké dans les réserves. Ouais, j'ai oublié que ça on peut pas stocker à les poubelles. Voilà. Toujours en train d'attaquer lui. Ah ouais. Il est motivé. Hein.
vraiment bugué. Hein. Il y a un problème. Il faudrait peut-être que je construise, que je fasse fabriquer au choix. Non. Des. J'ai combien de place dans l'inventaire? Il m'en manque une. Dommage. Au travail. Des. Je sais pas, ça doit être des. Non, j'en sais rien. Ouais. Fabriquer des trucs pour la guilde. Ou voir, faudrait que je parte en mission pour elle. Acheter des trucs de fabrication. Comptoir achète des marchandises pour sa grande fête. Fût des chevrins, miel, pilet et petites pierres. On va y aller. On va regarder, je vais aller au marché. Chose au sujet de ces rongeurs et vite. Et on va en produire quelques-uns. Alors, miel blié. Ah, là. Miel, blé, petite pierre. Peut-être fait fort là. Peut-être fait fort. Petite bière. Oh putain, j'en ai qu'une. Terrible. Va à ta pâtisserie. C'est bien que ça. Tu vas faire ton. Tu vas faire le fût. C'est bien que ça. Allez. Voilà pour une petite heure. Elle tousse pas dans le pain, toi. Ah, ok, très bien. On va stocker ça à la maison. De toute façon, il n'y a plus de petite bière. Allez, maintenant c'est son chemin favori par ici maintenant. Avant il voulait pas aller là, s'il veut plus passer ici. La guilde des filous, très bien. Hop, vas-y vite. La guilde des artisans. Ce n'est pas toujours facile d'avoir à charge aussi bien la santé physique que morale d'autres personnes. Un fût de bière. Je dois faire quelque chose. Dès qu'il y aura une petite bière, on l'achètera et on produira de nouveau. Ouais, forcément, on est obligé d'aller à Londres. Au travail. On va me déplacer plus rapidement là. Parce que là, ça va être compliqué. Ah, si ça va partir en voyage, hop là. C'est comme si c'était fait. Si je vais arriver, je sais pas si je vais y arriver à temps. Petite bière, on a plus. Il y a un problème. Parce qu'elle est pas très très rapide, madame. La cour revient sur sa décision. Plus rapide que les charrettes, tu me diras. C'est toujours ça de près. Comme là je suis en train d'y penser, mais elle part en voyage pour partir en voyage. C'est quand même magnifique ça. Merci le fait quel âge. J'ai pas eu le temps de voir. 52 ans. Ah oui quand même. Nous travaillons ça ne prendra pas longtemps.
Allez. Ce n'est pas toujours facile. Alors, en voyage. D'avoir à charge aussi bien la santé physique que morale d'autres personnes. Hop, en sorte que eux, ils soient très mal vus. On a les moyens. On va pas se priver. Tu as fait un peu de prosélytisme, toi. C'est toujours du bien. Et du coup, producteur à Saint-Hambourg. Ah. On va y aller. Ouais, c'est là. Moi, j'ai pas le droit de partir en voyage ? Ok. Bon, très bien. Ouais, tu me diras, lui il est rapide hein, avec l'agilité qu'il a. Ah, juste, je vois un truc. Ouais, je le verrai. Attends, ouais, non, je le verrai plus tard. Nous travaillons consciencieusement. Et maintenant, la demande d'un comptoir. On s'en fiche du comptoir. En agilité, il est bien, il se déplace assez rapidement, même plus rapide que les charrettes. Tiré par des chevaux. Je suis quand même allé en bourre à pied sans escorte. Ah si, mon escorte est traîne en fait. Hop. On est comment? Au sein de la Hanse, on est que célèbre. Famille recherchée. Alors se méfier quand même. Comment je pourrais augmenter ça? Non, non, non. Après en soi, le mieux c'est que j'aille en bourg avec tous mes tous les personnages que j'ai. On est recherché en fait. Parce que Hambourg étant la position centrale, dès qu'il y a une offre, je serai prêt à intervenir au plus proche. Tiens, hop, niveau 7, parfait. Je te paye. Honneur de visiter une sainteté, nul osera détruire en incendie ni même mettre à sac nos églises. C'est pas mal. N'osera rien me faire. Allez, on va acheter une chaîne. Ah, on va pas acheter de chaîne. On va retrouver la mine. Un comptoir achète des matériaux de construction. Donc tu me diras, j'avais dit qu'on allait à Hambourg. Le travail, c'est toute ma vie. Donc c'est pas non plus. C'est bizarre, ça baisse beaucoup quand même là d'un coup. Comme si un autre pamphlet avait été mis quelque part. Je vais faire le tour au cas où. Non, même pas. Hein. Même pas, il m'aime pas juste parce qu'il m'aime pas. C'est pas bien grave. Ah. Les élections.
Connor au sein de la Hanse, 89. La cour revient sur sa décision. Comment elle a augmenté ça? Il va falloir que je me renseigne. Enfin bon, on va se laisser là pour l'épisode d'aujourd'hui. Moi, j'espère qu'il vous aura plu. Je propose de vous retrouver très bientôt pour le prochain épisode. Essayer de gravir toujours plus les échelons et atteindre l'échelon maximum. Je vous remercie à tous d'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine, c'était Tiob. Ciao.